Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur Animal Crossing. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire une vidéo pour vous. On va clairement faire une vidéo pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est l'heure que je prenne ma revanche sur la pêche. Oui, vous avez bien compris, je vais pêcher. Pour ça, j'ai pris mes deux Joy-Con plutôt que ma manette parce que je compte bien avoir une revanche très très dure et clairement l'écraser. Et pour ça, il me faut des vibrations, donc il me faut mes Joy-Con. En vrai, je pense que je vais me faire des boîtes encore et que je vais être encore plus déprimée. Mais c'est pas grave, je vais me laisser 15 minutes pour pêcher et pour ça, je vais d'abord aller acheter plein de cannes à pêche. Donc si vous me connaissez pas, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous veut cette folle, elle nous agresse direct avec la pêche. En fait, je suis quelqu'un qui joue Animal Crossing depuis très très longtemps. Que ça soit, j'ai perdu ma canne à pêche, c'est-à-dire je pêche tellement pas que je ne sais pas où elles sont. Que ça soit au niveau des opus précédents ou pas, j'ai toujours beaucoup joué. Mais j'ai toujours détesté la pêche, ou du moins la pêche me déteste. C'est tout autre chose. Si vous ne voyez pas mes vidéos, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais ceux qui voient mes vidéos, vous savez de quoi je parle, vous savez que je suis nulle en pêche. Et en ce moment, j'ai envie de me lancer des défis sur Animal Crossing parce que voilà, on décroche tous du jeu, etc. Du coup, je vous conseille de le faire même en même temps que moi. Vous regardez par rapport à mon minuteur, vous vous mettez aussi. Et let's go, hein, voilà, comme ça au moins on voit si vous êtes plus doué que moi en pêche, ce qui est fort probable, hein, on va pas se le cacher. Mais on sait jamais, on sait jamais. C'est bon, j'ai mon chrono, je suis prête. Vraiment, je sens que à la fin de la vidéo, je vais pleurer toutes mes morts parce que j'aurais pas réussi et que voilà. Je vais mettre 15 minutes, on va partir sur du 15 minutes pour avoir le plus de poissons possible et j'espère juste que ça va bien se passer. Que je vais avoir des poissons, que je vais pas me ridiculiser, ce qui est fort probable. Mais c'est pas grave, écoutez, ça fait partie du défi. Let's go. Ok, j'allais dire ça s'est pas lancé. C'est-à-dire que ça commence très bien. Je ne sais plus équiper mes outils. En fait, je sais plus jouer avec des Joy-Con. Je sais plus pourquoi je fais ça, mais en même temps, je sais plus jouer avec des Joy-Con, mais je sais pas pêcher avec une manette. Du coup, en fait, je sais juste pas jouer, je suis juste trop nulle. Bon, il faut que je trouve des poissons. Le but, c'est que j'en ai beaucoup, mais pas que j'en rate, voyez. Et du coup, il va falloir que je me concentre quand même, ce qui n'est pas gagné. On a un poisson juste ici. Et comment on appuie sur A? Je vais appuyer sur A, je pense que c'est bon. J'ai envie de pêcher comme sur Stardew, donc... Ok, j'en ai un, c'est déjà bien. En fait, sur Stardew, c'est encore plus dur et j'y arrive. Alors pourquoi j'y arriverai pas sur Animal Crossing? C'est une grosse blague. Si j'ai au moins plus de 10 poissons, ça se passe bien. Généralement, moi, dans ce genre de défi, je vais en plonger, tellement je suis nulle en pêche. Et puis, de toute façon, je peux pas le faire avec les insectes, puisque les insectes, ça va. Sauf que c'est juste qu'ils sont pas là, ces petits cons. Ils veulent pas de moi. J'ai un autre poisson là, je vais l'attraper. Avec un peu de chance, je peux aussi compléter mon musée. C'est perturbant, hein. Je l'ai loupé, je suis trop nulle. Mais en fait genre, il faut que je ferme les yeux, sauf que j'ai l'air trop conne si je ferme les yeux en vidéo, vous voyez. Du coup je me dis soit c'est ma crédibilité en fait, dans les deux cas je suis pas crédible, mais vous avez capté, je vais attraper ce petit poisson. Je suis en train de perdre du temps, ça fait déjà 13 minutes. Pourquoi je pêche ici? Il veut pas de moi ce poisson, hein. Je vois pas ce que je fais. Vas-y, viens à ma canne à pêche. Je suis sûre que t'as envie. Je l'ai pas eu. C'est une blague. Et pourtant, j'ai appuyé quand il a fait le bruit, mais je l'ai quand même pas eu. Je viens de perdre une minute sur un poisson que je n'ai pas attrapé. Regardez, il y a Rosie là. Rosie, on la cala pas. Rosie, je lui ai pas parlé depuis qu'elle est arrivée. Hein. Genre vraiment, Rosie, je la boycotte. Elle n'existe pas. Elle n'est pas sur mon île. Je n'ai pas trouvé de solution encore. On a un poisson juste là. S'il te plaît, attrape-le. Allô, attrape-le. Sois ce qu'il est. Ok, je l'ai eu. Ça fait deux poissons en 2 minutes et demie. Ça passe, non? Un petit peu. En plus, c'est un poisson trop useless, là. En vrai, je vais rager, hein. Est-ce que je peux t'attraper, toi, de par là? Je suis pas sûre. Vas-y, tourne ta tête. T'as envie de l'hameçon. En plus, il est au coin pêche. Ça se voit, lui, il va être coopératif. Si je pêche des déchets, bien sûr, ça compte pas, hein. C'est juste que j'ai pas de chance et que voilà, hein. Ok, je l'ai pas eu, je me casse. Repli, repli, soldat. Nous sommes nuls. Je veux ça, là. Lui. Ça fait 3 poissons. Ok, 3 poissons. 3 poissons et j'en ai loupé combien? Je sais pas. J'ai dû en louper 2 ou 3. J'en ai loupé 3, je crois. C'est 3 poissons pour 3, pour sur 6. C'est pas très très folichon, non? Je me rends pas bien compte de ma nullité, mais j'ai l'impression qu'elle est très élevée. Allez, celui-là, je l'attrape, comme ça on passe sur un score positif. Ça me stresse. Ah, je l'ai eu. Putain, je suis lente, mais je suis lente. Ça fait 4 sur 6, sur 7. Voilà, je sais pas. Je suis nulle en maths aussi. Je suis nulle en pêche et je suis nulle en maths. Mais n'importe quoi. Mais enlevez-moi des manettes, enlevez-moi la console, mettez-moi un cerveau. Allez, je vais t'avoir. Tu es à moi. Si vous imaginez pas comment mon cœur, il bondit à chaque fois. Mon cœur, il joue trop sa life. Je joue ma vie. Je joue ma crédibilité quand même. Ça, s'il faut, vous voyez jamais cette vidéo parce qu'en fait, j'étais trop nulle et j'ai eu grave honte. Mon Dieu. Bon, en vrai, je le ferai pas parce que même si je suis nulle, je le posterai parce que vous savez que je suis nulle.
Mais quand même, salut Pensy. Rien, c'est comme ça, je me promène dans toute mon île. Est-ce qu'il y a des poissons, s'il vous plaît, dans les rivières? Du coup, ça a changé là. Je vous montre pas parce que je ferai une vidéo spéciale et tout pour tous les changements, je pense. Mais ça a changé. Vous avez vu ma boutique, elle est revenue, tout ça, tout ça. Je l'ai pas eu. Putain, il faut pas que je parle, il faut pas que je parle. Ah, lui, il est pour moi. Je me rappelle déjà pas de mon score. Hein. Enfin, j'en ai 5. 5 sur 8, non? Je sais plus. Ok, ça fait 6. J'en ai bientôt 10. Hein. En vrai, c'est faisable 10. Donc le mieux, ça serait que j'en fasse 20. Mais 20, ça voudrait dire plus de 1 par minute et c'est hors de mon skill, je crois. Si j'en fais 15, ça fait 1 par minute et c'est bien. J'ai un poisson là. Je vais l'attraper. Viens à moi, petite chose. Je dois tellement être concentrée. Oh, je l'ai eu. Tout se passe bien. Déstresse. Vraiment. Je vais faire un AVC. Je suis morte. Je me stresse pour des poissons sur Animal Crossing, guys. Oh. Il fait des petites feintes. Mais ça marche pas avec moi. Hein. Je suis surentraînée là. Quand je veux gagner, je vais gagner. Bon, du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est que je parle pas quand j'essaie de les attraper. Ce qui n'est pas forcément très adéquat, mais c'est pas grave, ok? Vas-y, passe. Je retourne sur la plage du dessous. Elle me paraît plus... J'arrive mieux à les attraper sur ces plages. Sur l'autre, j'y arrive pas. Oh, regardez. Y a pas des requins, normalement? Ah non, c'est qu'en été, non? On voit que je suis nulle, hein. C'est-à-dire que je sais même pas quand sont les... C'est... Allô? Oh! Je suis trop forte. Trop forte. Qu'est-ce qu'on disait? C'est full bullshit, j'ai eu de la chance. Hein. Mais let's go! Écoutez, je prends, il est pas dans mon musée, ça se voit que je pêche jamais. Je me disais, ça sentait la douille, il venait pas tout de suite, vous voyez? Et du coup, je sais plus ce que je disais. Si je disais que je m'y connais pas, ça se voit parce que je pensais qu'il y avait des requins, vous voyez, dans cette période. Alors que pas du tout. Vas-y, viens, petit poisson. C'est la négativité, il est devant toi, là, l'hameçon. Merci. Ok, ils me font des feintes, là. Ils essayent de gruger le système, mais ça marche pas. Ça marche pas du tout. J'ai 10 poissons, et je crois qu'en tout, j'ai essayé d'en pêcher 14 ou 15. C'est dur de tenir le compte et en même temps se concentrer sur les poissons qu'on essaye de pêcher. Vas-y, viens. Non mais... Quoi? J'avais mis mon hameçon de l'autre côté et t'as pas voulu l'attraper et là tu tournes, mais... Non, mais arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Sois coopératif. Coopération, c'est le mot d'ordre sur cette île. Paix et amour. Oh la vie, je vais t'attraper, je vais t'empailler. Tu vas pas comprendre ta vie, toi. Hein. Je perds du temps à cause de toi, il me reste que 6 minutes. Tourne. Je vous jure que si lui, je l'attrape pas... Je pète un câble. C'est le démon. Viens là. Vas-y, c'est bon. Je l'ai eu. Oh, mais toi. Comment j'ai envie de t'étriper, là. Ça devient violent, mais... Mais guys, là, il se foutait de ma gueule, lui, ce petit truc-là. Let's go. Ça fait 11 poissons. On a dit 15, une par minute, un par minute. Ça se passe bien, c'est plus rapide quand ils viennent direct et tout. J'essaie d'attraper lui, là. Mais les petits, du coup, c'est ma hantise. Ils me détestent, ça se voit. J'arrive... Regardez, qu'est-ce que je disais? C'est la pêche qui est contre moi, c'est pas moi qui suis contre la... J'ai plus les mots. Non, arrête de faire ça! Oh, j'ai eu de la chance là. Je l'ai loupé. J'ai stressé. À l'aide. Je vais sur l'autre plage, c'est bon, j'ai fait mon quota sur cette plage. Il m'en manque 3 pour paraître intelligente, pour paraître douée en pêche. Vas-y. J'essaie de me pousser comme si j'allais voir derrière le sapin, mais non. Ok, j'ai eu ce truc là. C'est bien, il m'en manque que 2. 2, c'est faisable en 4 minutes 30. Putain, il y a... Non, mais quand je la vois, à chaque fois, je la vois, Rosie. J'ai envie de, genre, de délaître le jeu. J'aurais pu avoir Martin, mais non. Ah, j'ai un poisson, là. Viens à moi, petit poisson. Ok, on refait. Viens à moi, petit poisson. Ah, il m'a vu. Ok. Ok. Je suis trop nulle, mais je sais pas combien j'en ai raté par rapport à combien j'en ai attrapé. Je sais que j'en ai plus attrapé que raté, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais tout de même, j'en ai raté beaucoup, hein. Je suis quand même très très nulle, hein. Allez, viens. Je l'ai loupé, j'ai cru qu'il allait attraper pour la troisième fois, mais pas du tout. En fait, je suis matrixée, moi, je suis habituée à qu'il fasse 3 fois, et s'il vend pas 3 fois, je suis perdue. Ok, je l'ai attrapé, c'est bien, c'en est un gros en plus. C'est un bar, allez, super. C'en est un gros, ouais, un gros, gros con. Un gros bar. Plus qu'un, il me reste 3 minutes. 1, c'est faisable. Bon, j'aurais bien aimé faire les 20. Du coup, je les aurais pas, parce que ma nullité m'a rattrapé au milieu, mais c'est pas grave. On tient le bon bout. Faut y mettre du vote, par contre, hein. Faut spawn les poissons, hein. Ah, j'ai pas pris d'appât, hein. Je me suis dit que ça serait de la triche. Hein. Et puis j'avais la flemme d'en crafter aussi. Et mes voisins, ils sont en train de faire des travaux. Je tourne le dimanche. Est-ce qu'on a envie que les gens fassent des travaux le dimanche? Pas du tout. Mais, vas-y là, vas-y, c'est bon, tu m'as gamé. Tu m'as zoulé! Il me reste 2 minutes, il ne manque que toi à ma collection pour battre le jeu. Parce que je fais mes propres règles, hein. C'est moi qui décide. Oh, oh là là, j'ai failli louper tellement mon cerveau, il est lent.
Let's go. Ça fait 15, c'est pas mal. Est-ce que je peux pousser un peu plus le vis? Voilà, sur le ponton. Sur le ponton, je suis encore plus nulle pour viser. Ok, 16, c'est bien. Heureusement qu'une fois que tu l'as attrapé et tout, qu'il est dans l'eau, tu te dis c'est bon, y a plus de risque que je le perde. Parce que moi, je serais capable d'encore ne pas réussir, vous voyez? Vas-y, pêche, attrape le poisson. Un poisson de rivière, ça fait plaisir. Ok, 17, c'est bien. Tout se passe bien. J'ai eu quoi là, un anchois? Ah non, une loge d'étang. Vous voyez, même les loges d'étang, je les ai pas sur cette partie. C'est vraiment que ça... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non mais je te parle pas. Je sais pas si tu veux partir, mais de toute façon tu partiras pas. Je vous cala plus quand vous voulez partir, de toute façon, parce que c'est à Rosie de partir, mais Rosie c'est sa dernière arrivée, du coup elle peut pas partir. Du coup, bah je vous calcule plus. C'est mort. On n'est plus amis. Alors, est-ce que ici, j'aurai un petit poisson pour augmenter ma collection? Il me reste 50 secondes, hein. Ça va. Les 20, c'est mort. Il est gros celui-là. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Oh, c'est bon, je l'ai eu. C'est mon poulain, ça, c'est mon poulain. Barre commun, oui, 18. Ça va en vrai, je me suis pas ridiculisée. Oh, celui-là, il peut être bien. Par contre, si tu pouvais arrêter de faire ça, parce que déjà, ça me stresse, ça me stresse. Mais en plus, vous vous rendez compte que ne pas savoir viser, c'est dur dans la vie de... Tu te fous de ma gueule? Je n'apprécie pas ce genre de comportement. Je l'ai loupé, je l'ai loupé, vas-y, je l'ai loupé. C'est fini, là, c'est fini. 18, ça va! Non, je sais pas, en fait. J'attends la fin. Ok. Ça va, je m'attendais à être vraiment plus nulle et à pas faire 18, mais je me rends pas compte de si c'est bien ou pas. Bien sûr, voilà, vous en avez fait 30, hein, mais... mais c'est beaucoup pour moi. Par contre, celui-là, il avait l'air grave cool et je l'ai loupé. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'ai eu pas mal de poissons, mine de rien. Je vais pouvoir aller déposer tout ça à mon musée, ce qui me rend heureuse. Je vais ouvrir ma petite bouteille, hein. Ah, j'ai aussi quelqu'un à mon camping. J'ai eu quoi dans ma bouteille? J'ai quelqu'un dans mon camping. Du coup, je vais aller voir la personne que j'ai dans mon camping, parce que autant en profiter. Je pense que le comble, ça serait que dans mon camping, du coup, j'ai Martin. Est-ce que si j'ai Martin dans mon camping, Rosie peut partir étant donné que c'est la dernière arrivée? C'est une réelle question. Est-ce que je vais avoir quelqu'un de bien? La réponse était non. Je sais pas qui t'es, mais au revoir. Au revoir. Bon, mais du coup, c'est sur ça qu'on va se laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez fait le challenge en même temps que moi, si vous avez réussi, si vous... Enfin, on peut que réussir, mais vous avez sûrement eu plus de poissons que moi. Du coup, dites-moi combien vous en avez eu, etc. J'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo. J'aime bien me lancer des petits challenges. Et je voulais pas refaire un truc sur les mites, étant donné que j'en ai fait un la dernière fois. Du coup, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très vite pour continuer à galérer. Et je vous jure que je vais m'améliorer en pêche. Vous êtes pas prêts.